Investir dans un studio à Bordeaux, en plein centre, tout proche de la place de la Victoire. Je t'en dis plus tout de suite dans cette vidéo, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo exceptionnelle où je suis en compagnie de Eric. Bonjour Eric. Bonjour. Eric est chasseur immobilier chez investissementlocatif.com. Alors avant de te présenter cet appartement, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification, comme ça tu vas être alerté en temps réel des prochaines vidéos. Alors ici, ce que je veux, c'est vraiment te montrer ce qu'on sait faire chez investissementlocatif.com et tu vas retrouver sur la chaîne beaucoup de vidéos en immersion ici à Bordeaux ou dans d'autres villes. Mais l'idée, c'est ici de pouvoir te montrer ce qu'on peut faire à Bordeaux, que ce soit en studio, que ce soit en T2, en colocation, en immeuble. Comme ça, tu vas vraiment pouvoir te projeter. Et j'ai la chance d'être avec Eric qui va pouvoir te présenter cette opération et te dire pourquoi est-ce qu'on l'a sélectionné pour un de nos clients qu'il a déjà acheté, mais ça pourrait être ton opération. Alors Eric, est-ce que tu peux leur dire déjà les atouts de cet appartement et pourquoi est-ce que tu l'as sélectionné pour un de nos clients? Alors la première chose, c'est déjà l'emplacement, parce qu'on est à 100 mètres de la place de la Victoire. C'est aujourd'hui, je dirais, le lieu privilégié des étudiants qui seront les futurs locataires de cet appartement. L'avantage, c'est qu'on est proche du tram qui les emmène au fac. Donc on est à mi-chemin entre leur lieu de vie Ouais. et leur lieu d'études. Donc c'est dans l'emplacement idéal. Ici, sur Bordeaux, dans ce secteur-là, les étudiants font la queue pour prendre des locations. Donc c'était la raison principale qui a fait qu'on a proposé ce bien ici. L'intérêt aussi de cet appartement, c'est qu'on est en étage, on est au quatrième étage. Donc pour un studio sur Bordeaux, c'est plutôt rare. On est plutôt sur des étages bas, voire le Inférieur quatrième. d'habitude, Ouais. ouais. Donc là, on a une belle luminosité, vous verrez peut-être après, on est dos à la fenêtre, mais on a vu sur les toits de Bordeaux. On est sur une résidence qui est relativement récente. Voilà, donc l'appartement est là tel qu'il est, n'est pas encore finalisé par nos soins, mais on est déjà sur un appartement qui a un bon potentiel. Et voilà, je dirais que le point à retenir le plus important, c'est l'emplacement qui est vraiment privilégié et qui fait qu'aujourd'hui, on n'aura aucun souci à louer cet appartement. Voilà, pour que tu saches, on est capable de t'accompagner d'un appartement en plein centre, comme c'est le cas, hyper central, sur un super emplacement, jusqu'à des produits excentrés, en agglomération, où on va faire plus de rentabilité. La palette, là, pour que ceux qui nous regardent se rendent compte, la palette, ça va du patrimonial en studio. Et jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut faire à Bordeaux sur une rentabilité, par exemple, supérieure, et c'est peut-être aussi des budgets supérieurs, hein, mais pour qu'ils puissent se rendre compte de l'entièreté. Alors aujourd'hui, effectivement, il y a deux produits qui se distinguent, donc les studios, donc sur Bordeaux, on va dire intramuros, et après, si on veut aller chercher de la rentabilité sur des 7, 8, 9%, on va sortir un tout petit peu, mais pas très loin, pour faire de la colocation. Donc sur des résidences des années 70, 80, avec 4 chambres. Ouais, Voilà, donc pas très loin, c'est à combien de temps pour qu'ils puissent se rendre compte par rapport au centre de en Bordeaux? fait, on privilégie toujours les lieux avec le tram. Donc c'est-à-dire qu'en tram, on est à 15 minutes du centre-ville de Bordeaux. Ouais. On privilégie toujours les axes où il y a des facs. Donc nous, les trams ici, ils sont parallèles. Donc c'est soit les facs de Talence, soit la fac de médecine à Mérignac. Donc voilà, donc c'est là qu'on se focalise sur nos recherches. Et tu vas pouvoir retrouver sur la chaîne des exemples à Bègles, des exemples à Pessac, où on était hier. Donc comme ça va vraiment pouvoir donner un petit peu toute la vision globale de ce qu'on sait faire. Et c'est hyper intéressant, on sait faire de 4 à, là tu le disais, 8% de rentabilité. Et il en faut pour tous les profils. On a des clients qui nous commandent de l'emplacement central parce qu'ils veulent un pied-à-terre demain pour leurs enfants, c'est peut-être le cas de notre client ici, un pied-à-terre pour eux, par exemple pour la retraite. Et d'autres qui vont vouloir juste un petit peu doper leur rentabilité et donc qui sont prêts à sortir. On va vous mettre quelques images, on va faire le tour de l'appartement. Ici, c'est un studio, mais c'est pour que vous puissiez vous rendre compte. Et moi, je voudrais, si on peut mettre un petit coup sur la vue, si on n'est pas à contre-jour, je pense que si j'avais eu ça quand j'étais étudiant, j'aurais plutôt été hyper content. On a une magnifique vue sur les toits de Bordeaux, donc c'est vraiment très très beau. Si toi aussi, tu veux passer à l'action et acheter, investir dans l'immobilier, je sais que ça fait peur au début. Et c'est pour ça qu'on fait aussi ces vidéos, c'est pour un petit peu démocratiser tout ça et que tu puisses te rendre compte dans la réalité qu'est-ce que ça fait d'être propriétaire, quelle est la typologie de produits que je pourrais avoir. Comme ça, entre les différents exemples, tu vas pouvoir sélectionner ton opération à toi, ta future opération. Je suis persuadé que ça va t'aider à prendre une bonne décision. Mets-moi en commentaire de cette vidéo YouTube ce que tu en penses et l'équipe est à ta disposition pour t'accompagner demain dans des opérations rentables. Plus que jamais, vive l'immobilier et vive la rente. Ciao, merci Eric. Merci, ciao.